Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle mise à jour qui vient de sortir par GTA, la 1.39, ou pardon, désolé monsieur. Donc une nouvelle mise à jour qui est censée corriger la conduite de certains véhicules dans GTA. Donc j'ai regardé dans certains forums et ils disaient qu'il y avait des soucis avec certains véhicules quand on tournait vers la gauche, ils dérapaient et tout ça, et ils étaient peu maniables. Donc la Pegasi Infernus classique, donc celle que j'ai là en ce moment, fait partie de celles qui ont été modifiées. J'avais fait une vidéo présentation du véhicule, je disais qu'il était pas maniable et je reste sur mon avis, il n'est pas maniable. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont changé, je sais pas exactement ce qu'ils ont changé, mais j'arrive pas à conduire avec ce véhicule. Pour moi, il tourne pas assez. La Grottier est sortie mardi soir et franchement, mais je conduis comme un chef avec ce véhicule et voilà, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et puis, je vois pas ce qu'ils ont amélioré. Franchement, le véhicule, ouais, j'arrive bien à le conduire. J'ai une bonne conduite sur GTA, mais franchement, non, je sais pas. Il y a quelque chose qui me bloque dans le véhicule. J'arrive pas à le contrôler comme je voudrais. J'enchaîne les virages, j'enchaîne les petits passages et tout ça, mais ouais, je sais pas, je le sens pas super bien. J'aimerais bien votre avis, donc dites-moi comment vous sentez le véhicule. Moi personnellement, je le sens très 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 bizarre. Donc voilà, c'était une petite information sur la mise à jour. Donc la mise à jour, bah voilà, la 1.39 n'apporte rien de spécial, juste des modifications à la conduite de certains véhicules sur GTA. Donc ils ont modifié la façon dont ils tournent et tout ça. Je crois que je vous ai tout dit. C'est nouveau, dans la description il y a le lien de mon crew. S'il vous plaît, rejoignez ce crew pour qu'on puisse faire plein de vidéos ensemble et plein de nouveaux délires. Vraiment, j'ai plein de concepts dans la tête et j'aimerais les faire avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, que l'information vous a plu aussi, même si voilà, elle est toute petite et pas très utile. En tout cas, laissez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.